situation à la Fosselière avec les policiers. Donc voici leur bureau. Le gang du MIG a pris le banquier et la banque en otage. Ils ont volé une carte d'argent, allons-y. D'accord, je vais partir en immersion avec eux. Sur le lieu. La banque de la Fosselière est ici. Les policiers m'ont demandé de mettre un gilet pare-balles pour plus de sécurité. D'ailleurs, je vais en interviewer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, monsieur. Mais alors, mais que se passe-t-il? La banque de la Fosselière, le groupe du MIG ont attaqué la banque de la Fosselière. Et nous pensons qu'il y a trois voleur et un otage. D'accord, s'il vous plaît, madame. Mais qu'allez-vous faire? Une équipe est déjà sur place, nous allons cerner la banque. D'accord. Je vais me cacher pour plus de sécurité. Police nationale, vous êtes cernés. Rendez vos armes. Suivons les voleurs qui s'en vont, enfin, faut que je...
Et c'est ainsi que s'achève notre numéro spécial avec les policiers. Bonjour, ici Lucien Reporter. Un mois après les faits, je suis retournée sur les lieux du braquage. J'ai questionné le banquier Léo Sachaud. Bonjour Monsieur Sachaud. Un mois après les faits, comment avez-vous vécu cet événement ? Bonjour. J'ai eu du mal à m'en remettre, je suis vraiment choquée. Ils m'ont torturée, ils m'ont attachée, mis un masque. D'accord, donc c'était vraiment horrible, vous confirmez ? Oui, je confirme. D'accord. Est-ce que vous avez continué votre métier de banquier ? Vous avez continué à arrêter ? Dites-moi. Non, j'ai arrêté, je me suis convertie en boucher. D'accord, et votre métier vous plaît ? Vous n'avez pas trop de séquelles ? Non. D'accord. Je remercie Monsieur Sachaud. Au revoir. Les voleurs sont très bien en train de... Ah, j'ai pas fait. Là. Prison 2000. C'était comme ça ? Ouais, c'était Léo. Hein ? C'était comme ça ? Ouais. Ça a commencé ? Attendez. Attends, je suis moteur et action. Scène dans le bois numéro 2, moteur et action. Mais tu dis quoi toi en fait ? Bah, y a Jérôme qui dit on attend de avant de les attraper parce qu'on les attrapera après quand ils sont tous en train de les attraper. Mais non mais Jérôme, mais allô quoi ! Non mais c'est comme si je te dis non mais allô quoi, enfin.